kan her şeyleri yani evlenip olduğundan su iyi esmiş tüm diyorum. Bir tek öyle bir tüm nakatiz bir tüm sanatı yedibiz. Hep o piyası kula sıkıyor. Amin. Şu yedibiyi ofer. Diyelim seni içeri çiçeği öyle. Ne kadar yaksın. Domine ekos pasti ve ki yedi kodomi o posteriski iki istudi yara okunu. Ede bu klasi tarzı sunan çiçeği sökü toplarım adiktim. Adiktim ama. Non voglio i piaggi passione, le verone sciocate mi consigliare in cernas. Vitamus o ibu, il pari deus, et te cadamus, e muti, te fabi vanci. Dove deus, e non vero, e tu confius. Tu ho tenuto, e sabato, e biblica, giusti, e tu basso, e le soccorra. Vede la funzione, e tu avessis. Divi, e li, e vela, cosa me la, ove, e us, e us. Divi, uote, e tu, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples se rendirent dans un domaine dont le nom était Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez. » Puis, s'avançant un peu, il se prosternait sur le sol et il priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ?» Tu n'as pas pu veiller une heure, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et fit la même prière. Puis il vint et de nouveau les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis et ils ne savaient que lui répondre. Quand il revint pour la troisième fois, il leur dit, dormez donc et reposez-vous. Cela suffit, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. Aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, s'approcha, et avec lui une foule portant des épées et des bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. Il avait dit, « C'est celui que j'embrasserai, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de lui et il dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un des assistants tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, j'étais près de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous, l'abandonnant, s'enfuirent. Un jeune homme le suivait, revêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lâchant le drap, il s'enfuit tout nu. On emmena Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se réunirent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand prêtre. Il était assis avec les gardes et se chauffait auprès du feu.
Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et après 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Et même sur ce point, leur témoignage ne concordait pas. Le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi. » Mais lui se taisait et il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Béni. » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Certains se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage et à le gifler en lui disant « Fais le prophète !» Et les gardes le frappèrent. Comme Pierre était en bas dans la cour, arriva une des servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec ce Jésus. » Mais il nia et dit « Je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il sortit à l'extérieur dans le vestibule et le coq chanta. La servante le vit et recommença à dire aux assistants « Celui-là en est !» Mais il nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là disaient à leur tour à Pierre « Pour sûr tu en es, car tu es galiléen. » Alors il se mit à dire avec des imprécations et des serments « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » À cette pensée, il pleurait. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Puis, ayant lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il lui répondit, « Tu le dis toi-même. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Tu ne réponds rien ?» Vois combien d'accusations ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était dans l'étonnement. Or, à chaque fête, il leur accordait la liberté d'un prisonnier, celui qu'il réclamait. Il y avait alors un nommé Barabbas, emprisonné avec des émeutiers qui avaient commis un homicide au cours de l'émeute. La foule monta et se mit à réclamer à Pilate ce qu'il leur accordait toujours. Il leur répondit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Car il comprenait que les chefs des prêtres l'avaient livré par jalousie. Mais les chefs des prêtres soulevèrent la foule pour qu'il leur libérât plutôt Barabbas. Pilate prit de nouveau la parole et leur dit, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur libéra Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils rassemblèrent toute la cohorte, et ils le revêtirent de pourpre. Ils le coiffèrent d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !»
Il lui frappait la tête avec un roseau. Il crachait sur lui et, fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Quand ils se furent moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils emmenèrent Jésus pour le crucifier et ils requirent un passant, Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, le père d'Alexandre et de Rufus, pour porter sa croix. Ils l'amenèrent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort la part de chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription motivant sa condamnation était ainsi rédigée « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifia deux brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi furent accomplies l'écriture qui dit « Il a été compté parmi les scélérats ». Ceux qui passaient l'insultaient en hochant la tête et disaient « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». De même, les chefs des prêtres avec les scribes plaisantaient entre eux en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ». Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. Quand vint la sixième heure, il y eut des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloï, Eloï, lama sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie. » Un homme courut remplir de vinaigre une éponge et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant « Voyons si Élie viendra le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait devant Jésus en voyant qu'il avait ainsi expiré dit alors « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Hardiment, il se rendit chez Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Et appelant le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Renseigné par le centurion, il fit remettre le cadavre à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit le corps, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient l'endroit où on l'avait déposé.